Et comme pendant tout le film, il se demande s'il doit se taire ou parler, s'il doit être humble ou arrogant, s'il doit prendre soin de son physique ou se laisser complètement aller, ou n'aimer qu'une femme ou n'aimer sans. Chaque jour, il est certain d'une chose différente, donc il fait rien. Il est au milieu de tout, il est nulle part, il est rien. Il a juste le sentiment d'être jamais là où il doit être. Et comme ça, peu à peu, il est en train de disparaître, il devient fantôme. Allô? Il disparaît. Non, la piscine, je peux pas. Parce que... parce que je sais pas nager, c'est tout. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est ridicule, mais c'est comme ça. J'ai jamais appris, donc je sais pas. Et puis j'ai vraiment beaucoup de boulot, là. Et oui, bah, je t'embrasse. Je t'embrasse. Dans le film, en fait, c'est qui Laurent Lucas. Laurent Lucas. Je connais pas. Tu t'en vas pas avec Laurent? Ben oui. Oui, justement, c'est une petite question. Est-ce qu'on peut les déplacer, les cercueils? Pardon? Les déplacer? Non, non, non. Tu veux les déplacer, les... Non, non. Pour l'instant, oui. Mais c'est moins cher. C'est pas parce que c'est plus jeune. Combien ça coûte, un cercueil? Ah ben ça dépend. Lequel, par exemple? Non, je sais pas. Mais j'aime bien le décor. Ah bah tant mieux. Bon, il faut que j'y aille, là, moi. Je ferme. Ah, vous fermez? Ouais. Excusez-moi, faut que j'y aille, là. Je vais fermer, en fait. Merci. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y aurait un moyen que je reste encore un peu? Je sais pas, c'est un moyen que je ferme le magasin et que je vous ramène la clé demain. J'aimerais bien pouvoir réfléchir à comment faire les choses, ou rester seul un moment, au calme. Ce serait formidable. Mais c'est pour pas vous déranger, sinon je reviens demain, mais... Mais ça parle de quoi? Quoi? Bah, le film, ça parle de quoi? Oh, je suis pas sûr encore, mais... Vous tournez quoi exactement ici? Ah... Bah, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à la mort. Et même s'il est assez jeune, il a 35-40 ans, il y pense beaucoup. Donc il passe du temps dans des établissements de pompes funèbres, il regarde les cercueils, il revient régulièrement. Alors, il a un peu honte, il dit que c'est pour son père, mais en fait c'est pour lui. Il revient régulièrement, il n'achète rien. Il pose des questions, il les regarde, il les touche. Voilà, c'est tout.